Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Farming Simulator 19 pour notre série Partir de zéro. Aujourd'hui, plein de choses. Aujourd'hui, donc, alors vous n'avez pas vu, alors vous avez peut-être vu la photo. Oui, j'ai installé une stabule déjà dans la zone. Et j'ai vendu la moissonneuse qu'on avait avant. J'ai acheté celle-ci et j'ai acheté la barre de coupe. Alors, la barre de coupe, il faut aller sur le site de la LFD. C'est Guigui de la LFD qui l'a converti. Bon, elle n'a pas de collision au niveau des rallonges. Mais bon, si c'est bien, c'est que vous pouvez passer partout. Parce que vous vous souvenez avec le plateau d'origine, la barre de coupe qui faisait aussi remorque en même temps, parce que c'était deux en un, avait excusez-moi, avait une sorte de dolly, et quand vous tournez, vous prenez pas assez large. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand vous êtes sur le dolly, lui va tourner, mais la moissonneuse, elle en fait, elle balaye le cul, comment on va dire, parce que les roues directrices sont derrière. Donc voilà, donc j'ai dû acheter celle-ci. Voilà. C'est pas la même que celle sur ma partie. Voilà, donc il y a celle-ci. Il y aura d'autres trucs qui vont venir ensuite. Hein. Là, il n'y a que deux trucs qui sont posés, donc la stabule et le silo d'ensilage. Dans mes mods, je vais vous montrer. Alors, on aura le Seed Master de la LFD, donc ça c'est aussi de la LFD, pour faire notre production de graines. Ça évitera d'en acheter. Bon, c'est pas cher ici, hein. C'est moins cher que chez les Big Bags, je vous la conseille sur cette map. Et on a la machine pour produire les rations mélangées, et je vois qu'elle a un peu plus de capacité que celle que j'avais sur FS17. Voilà. Voilà. Alors, j'ai mis pas mal de mods. J'ai les Ford. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai ces Ford-là. Tout à l'heure, j'ai eu un problème avec un mod. C'était il y a 26. Non, c'est un T5, mais j'ai 26 d'un mode modding Québec, un truc comme ça. C'était un T6. Du coup, même si les Ford, on a pas mal hein, pour un pack. J'ai cru que c'était eux sur le coup, mais non. Du coup, on a celui-là. Je vais regarder un truc, les gens. Mais à mon avis, je l'ai pas activé. C'est le Maxum. Le petit Maxum. À mon avis, je l'ai pas activé. Parce que il est où de base? Le Maxum. Ah, mais le Maxum doit pas être ici au début. Il doit être dans moyen tracteur, je pense. Il est là, le Maxum. Parce que là, on a les Pumas. Voilà. Et vous aurez une autre série qui va arriver, mais ce sera pas une série définitive. Non, mais j'ai pas dû l'activer. J'ai activé pas mal de trucs. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? Donc, comme j'ai dit, ça, on va la changer, comme j'avais dit. Le champ, j'ai fini. Le petit champ qu'on avait fait, j'ai fini de cultiver. Donc, c'est pas là, c'est là. Bon, oui, ça fait un moment que la partie est allumée, c'est normal parce que j'ai avancé un petit peu, j'ai fait 2-3 petits trucs. Ouais, sauvegarde-toi. On va vendre le champ, parce que vous voyez que j'ai pas mal de sous. Bon, là, il y a eu la vente de la moissonneuse et l'achat de la nouvelle. On va vendre ce champ, il est trop petit pour nous. Pour ce qu'on va faire, voilà. Donc, lui, on le vend 40 000 euros d'un coup, voilà, on va le vendre. Aperçu de la carte. On a combien? On a 500. Ah merde, je vois pas. 92. Lui, on pourrait se le prendre, mais non. Je sais même pas si la banque on peut emprunter plus. Ah si, on peut emprunter plus. Et j'ai installé. Ouais, j'étais en train de. J'ai mis le panneau gouvernemental, donc celui que j'ai modifié, donc celui qui va nous donner 2 500 euros par heure au lieu des 80 000, hein. Je l'avais mis pour moi quand j'ai modifié ce mode-là, je l'avais mis sur 5 000. Et maintenant, je l'ai réduit à 2 500, donc c'est idéal. Là, on a quoi?
On a du blé. On a du blé. On a deux blés, ouais. On va acheter celui-là et celui-là. On préfère celui-là, ouais. Tiens, si on va acheter un fin. Alors, on a dit celui-là. 92. Ouais, ça fait 91. 91, 80, ouais. Ouais. Donc, on va acheter celui-là. Acheter. Donc, voilà. Nous, plein de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on a le temps d'acheter celui-là? Oui. Et voilà. Donc, pas mal de choses. Lui coûte hyper cher. Donc voilà, on n'a plus de sous en ce moment. Mais vous inquiétez pas. Merci, voilà. J'ai cru qu'il y avait un bug. Bon. On va refaire de la moisson. Refaire de la moisson. Pour ce qui est des semences, je vais faire du vrac directement. Voilà. Pour commencer. On va amener. Quelle heure est-il? Il est. Ça fait 6 minutes de vidéo, mais on peut encore en faire. On va la laisser comme ça la machine parce que. J'ai manuel attaching. Et j'ai un petit mode là, vous voyez en bleu. C'est le. Je l'ai pas. On peut pas l'attacher. Ah. Ben non, on peut pas l'attacher. Non, on peut pas l'attacher. Non, peut-être de l'autre côté. Alors attendez, je vais faire un truc. Ça non. Alors chaque fois que vous achetez un véhicule, vous montez sur un véhicule de un de vos 100%. Non. Mais c'est bizarre. Pourtant, je peux pas atteler. Bah pourtant, j'ai manuel attaching. Faites voir. Alors attendez. On va prendre le tracteur là derrière. Oui, je peux. Donc à mon avis, non, ça va être la barre de coupe qui doit être pas manuel attaching, mais bon. Et je dois l'enlever. Voilà. Alors le champ 21 et 20. Je vais regarder si son mur. Parce que c'est bien beau de préparer la machine. Ah oui, on refait de la moisson. Mais vous inquiétez pas, on fera pas mal de choses. Il faut que je continue à avancer un petit peu sur cette partie. Il faut que je finisse d'installer. Et vous aurez, peut-être pas prochainement, mais. Très bientôt une vidéo présentation de cette ferme. Voilà. Alors, boum. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Voilà. Alors, lui. Bah, le vin. Bah, je dois prendre la route. Bah, ça va être dans les chemins. À bout d'un moment. Alors, c'est une petite capacité. Je sais, on avait une plus grosse capacité. Ah bah attendez. Pourquoi je suis bloqué à 20? Ah peut-être que des fois. Alors il y a certains modes, tu vois pourquoi.
J'en sais rien beaucoup. Hein. Pourtant, c'est pas la machine. Faites voir. Et si je la mets à 43, elle va aller un peu plus vite ou pas? Ah oui, mais il doit. Alors, si vous avez des problèmes, que ça avance pas à la vitesse voulue comme là, je suis à bloquer à 20. D'ailleurs, j'étais à 15. Sachant que la machine, elle va jusqu'à 31 km/h. Augmenter. Moi, je vais me mettre comme ça. Augmenter. Et ça arrivera à la vitesse max de la MOSFET. C'est un petit conseil que je vous donne. Désolé la voiture, vas-y, passe. Et vue intérieure, voilà. Alors, je l'aiguille un petit peu. Parce que j'ai pas mal de véhicules de mon côté, j'ai les bâtiments. Alors, peut-être que vous avez vu le bâtiment. Oui, parce que j'ai aussi le silo d'ensilage. Je pense qu'on va faire de l'herbe. Je sais que c'est la saison en ce moment, bah pour certains. Moi, chez moi, ils ont fait de l'enrubannage il y a longtemps. Les bosses sont encore à l'extérieur, hein, j'ai vu. Ouais, mais. Ah, mais bon. Et oui, si je fais 65 et bim. Oui, bah tu vas pas te. Hein. Voilà. Donc, on aura un peu moins. Désolé, hein, là, je like, je cherche certaines parties. Je. Alors, pourtant, ça fait un petit moment. Hein. Ah, bon, voilà. Bon, maintenant, on va se mettre à 74. Alors, attends, hop, laisse-moi passer 2 minutes. Et ce qui est bien, il n'y a pas de collision. Je me suis décalé quand même parce que je sais pas si la machine nous a fait. Ah, elle est bloquée à 20-30. Bon. Alors, vous pouvez jouer manuel, mais là, je l'ai fait automatique. Alors, j'aurais pu prendre la grosse, mais du coup, on va prendre la petite. Et vous verrez vraiment la ferme en avançant un petit peu. Vous verrez un petit peu comment elle voit la ferme. Désolé si vous entendez des bruits. Donc, on sera plus dans le champ 5. On aura le 21 et le 11. Je sais même pas si ça va fonctionner, à barre de coupe, mais normalement elle fonctionne. Alors, on va aller là. J'ai activé pas mal de modes. Alors, pour la chaux, vous pouvez aller à la gauche, là, en vrac. L'engrais, vous pouvez aller. C'est marqué en bas vers le 17. Où je vais, moi? Et où je vais? Où je vais? Pourquoi il me fait. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors là, il va faire nuit, donc peut-être que vous verrez pas un petit moment. Ça peut arriver, hein, des fois, vous ne verrez pas. Ah, la 3 gyro, hein, parce que je sais que moi, j'en ai une, moi, c'est une classe. Sur ma partie perso, je crois qu'elle en a deux. Celle-ci, j'avais pas fait gaffe, pourtant, j'avais testé pour voir laquelle irait bien avec la barre de coupe. Alors, c'est pour voir si la barre de coupe ne buguait pas avec certaines moissonneuses. Hein. Parce qu'il faut savoir si la tâche, en fait. Si la tâche est plus basse. Oula. Là, où est-ce que là, je cherche une partie. Hein. Je cherche une partie de la map. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir des gugus? Parce que je vois rien, je suis à la montée. Non, pour l'instant, non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Là, j'ai pris à peu près les plus grands champs d'herbe. Donc, moi de mon côté, je vais récupérer la paille. Je récupérerai la paille. Je récupérerai la paille plus. Bah oui, pour les bottes. Et il y aura plein d'achats à faire encore. Mais banquier, bon. C'est pour ça que j'ai le mode gouvernemental. Il faut calculer en une journée. Je dépense. Oula. Oh, j'ai une partie. Oula. Il y a le 22, le 21 à côté. C'est cool. On va faire un petit peu de moisson aujourd'hui et peut-être transport de benne. Bah, transport de benne. On va transporter peut-être une benne. Là, ça, j'en ai plus besoin. C'est là-bas le champ.
Voilà. Ouais, j'ai un peu designé un peu. Donc, ce sera même notre moissonneuse. Alors, ce sera la moins grosse hein, qu'on avait celle de tout à l'heure. Celle que j'avais l'autre fois. Bah, celle que j'ai vendue, je veux dire. Je suis un petit peu en en ce moment. En dépit de la vue de la machine. Voilà. Elle fait, je crois, 6 mètres 6. Hein, les gens. On va commencer. Bah, la barre de coupe elle est un petit peu basse. Ouais. C'est du blé. Voilà. Donc on a un petit peu. On n'a pas beaucoup de rendement. On n'a pas beaucoup de rendement. C'est la B2 en plus. Donc ouais, je vois que. Alors c'est chiant de trouver une moissonneuse qui va avec. Hein. Voilà, on reprend. Désolé, j'ai ripé, chef. Oula, il est chaud le mec. Peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Là, je prends des classes en ce moment, mais il y a peut-être d'autres marques. Hein. Mais je verrai, il y aura peut-être une menacée, j'en sais rien. On gardera la barre de coupe. Hein. Alors le bruit, c'est la péniche. Moi j'aime bien, une petite péniche qui, oui, risque des animations. Et là, il faut que je fasse une présentation de map qui sera dans la semaine aussi. Donc voilà, vous aurez pas mal de choses. Bon, il n'y a pas d'animation par contre, mais peut-être que plus tard il fera de trois petits modifs sur la barre de coupe. Mais ce qui est bien, c'est au moins on peut moissonner et on n'a pas besoin de se prendre un arbre ou un poteau. C'est cool. Et de chercher un endroit où mettre la barre de coupe, bah la remorque de porte-coupe, pour prendre correctement après la barre de coupe dessus pour aller moissonner. Et ça, j'adore. Bon, après, je peux pas attacher voilà. Les cardans, tu vois, vous voyez, je peux pas attacher les cardans. Hein. Mais elle marche quand même. Hein. Peut-être que plus tard, on pourra. Bon, moi, ça change. Je verrai ce que je prendrai. Peut-être une massée. Personne n'en a une, moi, massée. Mais je sais qu'il y en a un qui aime bien les massées. Donc, je vais lui faire plaisir. Parce que le problème, voilà, moi j'aime bien avoir un mode qui soit bien avec la barre de coupe. Bon, on va voir avec la massée. Voilà. Ah, c'est cool si je peux être plein le long du chemin, ça va être cool pour idée. Voilà. À mon avis, non. Mais bon, de ce côté, je ferai vidéo aussi. Hein. Le tracteur, monter dedans. Vous voyez, hein, il y a le silo là-bas et le bâtiment. Il y a pas mal de choses. Pas mal de choses. Hop là, on fait ça. À mon avis, c'est pas animé. Je sais même pas si elle va prendre. Après, je peux la modifier, mais bon. Donc voilà, le panneau gouvernemental est ici. Voilà. Je l'ai posé, ça m'a coûté même pas une centaine d'euros.
C'est moi qui ai tout modifié, hein. C'est un mode privé. Hein. Je l'ai modifié. Ça, j'ai pu arriver à modifier, mais certes, comme les tracteurs, je n'arrive pas. Bon, pourtant, j'avais essayé d'y arriver. Bon, après, chacun son mode, chacun son truc. Hein. Il a combien d'heures? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, j'ai foutu un truc. À mon avis, j'ai mis... Ah oui, j'ai l'habitude de jouer à ETS, donc... Voilà. Oui, c'est ça. Alors, il n'a même pas une heure, alors que parce que j'ai le même, hein, j'ai le même sur ma partie berceau. Et il a 10 heures sur l'autre partie. 10, 11 heures, je crois. Mais bon, c'est un tracteur de tête, hein, c'est celui qui fait tout le travail de la ferme. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on doit faire. Là, ouais, doucement. Donc voilà. Bon bah moi j'avancerai un petit peu en off, faire ce champ là, faire ce champ. Ouais. On a pas mal de choses à faire. Donc voilà. Alors la photo, oui, la miniature, ça sera une stabule. Oui, c'est pour vous montrer un peu ce que moi j'ai mis sur ma partie. Voilà. Voilà, donc nous sur ce, on va se laisser pour cette vidéo, ça fait combien de minutes? Ça fait 22 minutes. Donc n'hésitez pas à liker, à disliker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike comme vous voulez, n'hésitez pas à suivre tout ce qui est en description. Et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis, bye bye!